Yo tout le monde, c'est Horizon, j'espère que vous allez bien les gars, là, moi pour part ça me fait nickel. J'ai remarqué que beaucoup de gens faisaient des vidéos sur Pet Simulator, mais personne ne faisait des tutos. Et ça les gars, c'est un gros problème. C'est pour ceci que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir plein de gemmes sur Pet Simulator. Je vais vous montrer 5 techniques que pas beaucoup de gens connaissent et qui sont très très bien. Certaines qui sont plus compliquées, mais certaines qui sont plus simples. Bien sûr les gars, juste avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Laissez un petit commentaire avec votre pseudo les gars, il y a des petits giveaways qui arrivent. Donc voilà les gars, on commence. Bon, pour commencer les gars, vous allez devoir vous rendre à l'aria numéro 20, donc la beach. Et finalement les gars, quand vous y serez, vous allez devoir déposer des pets dans la décaire. Et après quelques temps, vous allez pouvoir les récupérer. Alors voilà, comme vous pouvez voir, j'ai 7K de diamants. Pour ceux qui veulent ramener beaucoup de diamants dans la décaire les gars, je vous conseille de mettre des enchantes de Treasure Hunter. Donc on va aller juste là. Donc des Treasure Hunter. Alors moi, meilleur enchant de Treasure Hunter, c'est des Treasure Hunter V. Donc mettez du max Treasure Hunter. Et juste après, vous allez enroll des pets. Donc on va mettre eux par exemple. Et je peux avoir 15K de diamants les gars. Le bail c'est que si vous faites ça avec plein de comptes, eh bien vous serez vraiment riche. Donc avec 10 comptes, vous pouvez avoir jusqu'à 500K par jour. Et avec 20 comptes les gars, vous pouvez avoir 1 million par jour. Et aussi les gars, juste avant, je dois préciser un petit truc. Pour avoir le maximum de gemmes dans la décaire, il faut prendre les meilleurs pets du jeu. Donc si vous êtes à la aria maximale, c'est parfait les gars. Vous êtes très très bien, vous avez les meilleurs pets du jeu. Alors moi c'est les Rainbow Pastel Goat. Et bien vous allez mettre vos meilleurs pets dans la décaire. Et c'est comme ça que vous allez avoir le max de diamants. Bien sûr les pets que je conseille, c'est les Rainbow Shiny. Alors ça doit être des Rainbow comme ça. Et en même temps des Shiny. Alors des Rainbow Shiny les gars, j'en ai vraiment pas, parce que c'est trop compliqué à voir. Mais bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Bon, maintenant les gars, deuxième technique, ça c'est une technique de fou furieux, parce que vous pouvez avoir plus de 1 million de gemmes. Vous allez devoir vous créer deux comptes, et avec ces deux comptes là les gars, vous allez pouvoir avoir 1 million. Le truc c'est que vous allez me demander comment ça fonctionne. Et bien c'est très très simple, vous voyez le petit bouton juste là, invite friends. Et bien avant c'était 100 000 diamants, mais maintenant c'est 500 000 les gars. Donc vous allez devoir inviter un ami, l'aider à reach la zone 30, et vous deux vous allez avoir 500 000. Donc en fait les gars, c'est pas deux comptes mais un compte, donc votre compte plus un autre compte, et bien vous pouvez avoir 1 million les gars. Imaginez les gars, 1 million à juste se rendre à l'aria 30. Bien sûr les gars, cette technique juste là, on va l'essayer en live dans pas beaucoup de temps, ok, et je vais vous offrir toutes les diamants que je vais recevoir. Donc vraiment les gars, préparez-vous, parce que j'ai plus de 40 comptes les gars. Voilà quoi, je pense que donc c'est... ouais, c'est possible, c'est grave possible qu'on devienne très très riche, hein. Bon, la prochaine technique les gars, c'est une technique vraiment grande. Alors vous allez devoir vendre des choses de votre inventaire. Le problème c'est que personne ne sait quoi vendre. Je vais vous montrer quoi vendre les gars, et c'est très très simple. Alors déjà, faut savoir que les Crystal Key Lower Half, ils se vendent quand même 3K par key. C'est quand même beaucoup, sincèrement. Et en fait les gars, pourquoi vous avez peut-être remarqué un truc dans mon inventaire, c'est que j'ai plus de low half que de upper half. Parce qu'en fait les low half, ils sont moins rares que les upper half. Donc ce que vous allez faire les gars, c'est que vous allez vendre le max de lower half possible. Et la même chose les gars pour les spin wheel tickets. 10K les gars pour un ticket, c'est vraiment trop. Vous avez juste à vous créer le maximum de comptes possible, à prendre des tickets. Voilà, je viens d'en avoir un. Voilà. Et vous avez juste à vous créer plein de comptes. Et moi exemple, j'ai 40 comptes les gars. Donc 40 x 10K les gars, ça équivaut à 400K les gars. 400K de diamants par jour, c'est incroyable. Aussi les gars, je vous conseille de vendre des gift bags et les large gift bags. C'est vraiment abusé comment les large gift bags, ça vaut trop cher. 15K c'est vraiment trop. Donc je vous conseille vraiment de les vendre. Donc 15K c'est vraiment abusé. Et les large gift bags, sincèrement c'est quand même simple à avoir. Je vous conseille de équiper des enchantes Treasure Hunter et de vous rendre à votre aria, aria maximale. Donc moi c'est la 99. Et mettez vos pets en auto farm, et ça va être bon. Juste avant qu'on passe à la prochaine technique les gars, je veux juste vous dire que un gros tuto arrive de comment avoir son premier huge. Alors ce tuto il sera incroyable, parce que vous serez garanti à 100% d'avoir un huge en moins de 24 heures. Donc voilà les gars, c'est parti, on continue. Bon, la prochaine technique, malheureusement ça va être la technique la plus pay to win des techniques que je vais vous montrer. C'est la aria VIP. Il y a un mec qui est en train de farm. Alors pourquoi la zone VIP? Parce que c'est vraiment chillé, ok. Je vous suggère de mettre, attendez, de mettre des enchantes de diamants. Donc attendez, moi j'ai pas des très bons enchantes de diamants.
Donc on va mettre nos meilleurs enchants de diamant et de mettre le max de potions possible. Les meilleures potions les gars, je rappelle que c'est les potions de dégâts, les potions de diamant et surtout les gars, les potions de speed. Parce que ça va augmenter la vitesse de vos pets. Et comme vous pouvez le voir, ce mec est vraiment rapide. Mais sinon voilà, il est en train de farm tranquillement. Et il se fait sûrement 100k de gemmes par heure. Donc environ 2 millions de gemmes par jour. Bon, la prochaine technique les gars, je la surnomme la technique du speedrun. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous allez devoir speedrun le jeu. Vous devez savoir que Pet Simulator, ils font une update par 2 semaines. Et à chaque update, ils ajoutent des nouveaux eggs. Mais lorsqu'ils ajoutent des nouveaux eggs, beaucoup de gens vont dans la Trading Plaza pour acheter les meilleurs pets du jeu. Ce que vous allez devoir faire, c'est quand la prochaine update sort, vous essayez de vous rendre à votre zone maximale et de acheter les meilleurs eggs. Après, vous allez devoir en hatch, voilà. Donc on va en hatch pas mal. Et juste après, vous allez devoir les transformer en gold et puis en rainbow. Et finalement, vous vendez vos pets. La prochaine technique les gars, c'est pour ceux qui n'ont pas assez pour le VIP. Vous allez vous rendre à votre zone maximale encore une fois les gars et mettre le maximum de drapeaux de diamants possible. Mettre vos meilleures potions de diamants. Alors on va mettre celle-là par exemple. Mettre des potions de vitesse et mettre, on va dire, vas-y, mettre des petits, voilà, de la nourriture, des squeaky toys et tout. Et vous allez voir que vous allez quand même earn beaucoup de diamants. Alors moi j'ai pas des très bons pets, hein, vous avez peut-être vu ça, mais je suis presque sûr que vous avez des très bons pets les gars comparé à moi. Donc surtout si vous êtes beaucoup dans la zone, vous allez voir, vous allez gagner quand même masse de diamants. Pour cette technique, vous allez devoir vous rendre à l'Advanced Dig Site, le nouveau dig site qui vient juste d'être ajouté à Pet Simulator. Et ce dig site les gars, il va vous donner vraiment vraiment beaucoup de diamants. Bien sûr je vous conseille de prendre la meilleure shovel et vous allez commencer à creuser, voilà. Et vous allez essayer de trouver des coffres comme ça. Et voilà, regardez les gars la masse de diamants qu'on peut se faire. Bien sûr, je rappelle que si vous avez des meilleurs shovels, vous pouvez vous rendre très très loin et essayer de trouver des chests qui peuvent vous donner 10k de diamants les gars. 10k, vraiment. Bien sûr, ces chests, ils donnent pas beaucoup. Mais comme je l'ai dit, il y en a des coffres qui peuvent vous donner la blinde de diamants. Oh, c'est tellement compliqué par contre. Oh là là. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est quand même dur, hein. Ouah, c'est compliqué. Ok. Je me demande si on a assez pour une petite pelle. Attendez. Est-ce qu'on aura assez pour une petite pelle, les gars? Ça coûte combien? Wesh, un point. Wesh. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Quand même, frérot. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Mettez votre pseudo dans les commentaires parce qu'il y a plein de giveaways qui arrivent sur Pet Simulator et plein d'autres jeux. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao.